Il y a très longtemps qu'elle réclamait et nous l'avons enfin. Le Grand Alès vient d'installer une machine pour mettre à l'eau les personnes à mobilité réduite au centre nautique Le Toboggan. Une acquisition qui rend la piscine accessible à tous. Bon, l'accès est déjà pour aller à la piscine, les sanitaires, les vestiaires. Et après, il manquait la dernière étape, c'était ça pour la mise à l'eau. Très facile d'utilisation, juste installer les personnes dessus, appuyer sur un bouton et ça se fait tout seul. On me met sur la chaise, on clique la ceinture et puis ils viennent avec la chaise près du bord, ils vous descendent et puis on enlève la ceinture et on nage. Et pour remonter, on se met sur la chaise, on clique et il remonte, c'est très bien. 1, 2, 3, yes, oula, merci. Cet investissement de plus de 10 000 euros est salué par les bénéficiaires de la machine. Avant, j'avais donc les maîtres nageurs qui me prenaient, comme j'ai les deux jambes en moins, ils me prenaient chacun par un bras et ils me mettaient au bord de la piscine. Et puis à ce moment-là, je descendais moi-même. C'est les maîtres nageurs ou nous-mêmes qui mettions les gens à l'eau et qui les sortions. C'était quand même pénible pour arriver à soulever. Ils n'ont qu'à pousser, c'est sur roulette et tout, un vérin hydraulique, après ils n'ont pas forcé. Ça nous facilite la tâche, oui. Et puis eux se sentent quand même beaucoup plus à l'aise de se mettre à l'eau eux-mêmes que d'être mis par quelqu'un. En prime, ce dispositif de mise à l'eau a le grand avantage d'être mobile, ce qui permet de transporter la personne à n'importe quel endroit du bassin. Depuis que la chaise est là, c'est bien plus pratique, quoi.